Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment dire « je t'aime » en allemand et aussi les différentes traductions du verbe « aimer » en allemand. Alors, si tu aimes ces vidéos que je fais sur ma chaîne « Apprendre naturellement », pense à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo et puis tu peux télécharger aussi mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour, toute une mine de conseils très pratiques pour bien débuter ton apprentissage de l'allemand. Alors aujourd'hui, tu l'as vu, un décor un peu inhabituel, je suis à Fribourg, Freiburg im Breisgau. C'est une super ville dans laquelle j'ai étudié pendant 3 ans, une ville que j'aime beaucoup et voilà, qui a énormément de charme. Et là, en été, tous les cyclistes et tout, c'est super sympa. Donc, apprécie bien cette église avec la Herz Jesu Kirche, juste derrière moi. Attention, l'église dit Kirche, c'est bien le hier qui se prononce un peu derrière et c'est pas Kirche. Ça, c'est la cerise et c'est le « che » qui se prononce plus devant. En allemand, « je t'aime » se dit « ich liebe dich ». Donc, c'est le verbe « lieben », aimer, « ich », je, « ich liebe dich ».« Dich », c'est toi, donc « je aime toi », d'accord. Et attention, il y a deux « ch » là-dedans, donc les « ch » qui se prononcent « ch ». D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la prononciation du « ch » en allemand. Si tu n'es pas tout à fait au clair, je t'invite à aller le revoir en cliquant sur le lien là-dessus. Merci le scooter. Donc, il y a un lien là-dessus pour aller revoir comment bien prononcer le « ch » en allemand. Donc, tu peux t'entraîner, petit rappel, en mettant un doigt ou un crayon entre les dents pour bien faire « ch » et pas « ch », d'accord. C'est pas « ich liebe dich ». Ça, si dans certains dialectes, par exemple, dialecte à Berlin ou certains turcs allemands prononcent un peu comme ça, ich liebe dich, mais en allemand, si tu veux prononcer correctement, c'est ich liebe dich. Donc ça, c'est je t'aime. Maintenant, le verbe aimer, lieben, effectivement, on peut l'utiliser pour des choses qu'on aime vraiment beaucoup. Ich liebe Schokolade. Ich liebe Schokolade. Ich liebe Ferien. Ich liebe es. Ferien zu haben, j'aime vraiment être en vacances. Mais il y a aussi d'autres verbes qui permettent d'exprimer la notion de quelque chose qu'on aime. C'est par exemple le verbe mögen, qu'on va utiliser la plupart du temps dans la forme ich mag, et on va mettre quelque chose derrière, un nom ou des adjectifs pour dire ce qu'on aime. Ich mag diese Stadt, j'aime cette ville. Ich liebe diese Stadt, on pourrait aussi le dire, c'est plus fort du coup. Et ich mag, c'est j'aime bien cette ville, hein. Ich mag diese Stadt. Ich mag Schokolade, aber ich liebe Bonbons. D'accord, ça est un peu plus fort quand tu dis ich liebe que quand tu dis ich mag. Et ensuite, il y a quand tu vas exprimer une action que tu aimes faire. Alors là, tu vas plutôt utiliser ce petit mot gern, qui n'est pas un verbe, hein, mais par exemple, si tu aimes faire du vélo comme toutes ces personnes-là autour de moi, ich fahre gern Fahrrad. Donc j'aime faire du vélo, j'aime rouler à vélo. Ich esse gern Schokolade. Ich schwimme gern. Ich tanze gern. Donc toujours le côté pour exprimer quelque chose qu'on aime faire, une action. Donc il suffit de savoir dire cette action en allemand. Donc il suffit de connaître ce verbe, tanzen, schwimmen, ce que tu veux. Et le petit mot gern derrière qui va exprimer que tu aimes faire cette action. Et voilà, maintenant tu sais comment dire je t'aime en allemand. Ich liebe dich. Et tu sais aussi comment dire les activités, les choses que tu aimes faire. Donc le verbe lieben, mögen et l'action avec gern. Donc tu as remarqué, on est juste au-dessus de la gare, il y a un bus qui est en train de souffler à côté, il y a le train qui passe en dessous, mais c'est ça, c'est la vie, c'est une nature allemande, on est à Fribourg. Si tu aimes cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, mets un petit pouce bleu si tu as apprécié, et puis mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu aimes, si c'est plutôt lieben, mögen, ou ce que tu aimes faire avec gern. J'espère que tu as bien compris, et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !